Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 94 sur PC Building Simulator. Reprenons là où nous en étions la dernière fois. Donc là on avait une mission de diagnostic qui attendra demain parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il a besoin. Et là, voyons voir... carte mère? Oh... C'est quoi sa carte mère? Asus TUF 299. Ah oui, peut-être que ça. Hein. On va voir. Hop. Du coup, ça c'est bon. Ça, on se rappelle qu'on peut pas encore la faire. Du coup, on passe la journée. Et pour un peu, je pense que je vais l'abandonner, hein, cette mission. On va voir si elle nous rapporte beaucoup, mais je pense que je vais l'abandonner. Hein. S'il y a un prix de main-d'œuvre de moins de 200, je pense que je vais l'abandonner. C'est long. Alors attendez, juste voir vite fait. Bon, et non, et main-d'œuvre 140, allez, c'est bon, refusé. Voilà, merci. Du coup. Ok, lui c'est 1000, donc il va attendre. Donc lui, ça serait la carte mère. Bah écoutez, c'est parti. Ah, il s'ouvre comme ça. Oh, original. Non mais attendez, c'est galère. Voilà, merci. Il n'y a rien, c'est bon. Bon. Ah ouais, moi j'enlève tout, hein. Je m'emmerde pas. Alors effectivement, il y a bien la carte mère. On va voir s'il n'y a pas autre chose aussi. Hein. Je me concentre. Hop. Du coup, la carte graphique. Le stockage. La LIM. Niveau câble, normalement, on est bon. On va mettre ça. On va appuyer sur Play. On clique là-dedans. Hop. Attendez, j'ai peur d'une chose là. C'est bizarre qu'il ait réinstallé le. Qu'il ait réinstallé le truc. Appliquer. Bon bah non, apparemment. Ok, bah... On va vérifier le virus. Ok, là on est bon. Hop. Ah. Ah, j'ai pas vu qu'il demandait des câbles. Pardon. Pardon, pardon. Imhotep. Ah, plastique blanc. Bah ça c'est pour après. Avertissement. Ah bah j'ai pas vu. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave.
Du coup, lui, eh ben, on va tout enlever. On va pas se faire chier. En plus, il a un système de refroidissement. Donc, on va vraiment tout enlever pour le coup. Désolé, les amis. Désolé. Ça arrive, les erreurs, même au génie. Quand on est pris dans le feu de l'action et qu'on veut aller vite pour son public. Bon, va falloir aussi ouvrir de l'autre côté. Voilà. Là aussi. Là, 1000, franchement, plus aucune indication. Moi, je me fais pas chier. J'enlève tout. Alors, voyons voir. Le CPU, c'est bon. Ah, le refroidisseur. M22. Boum. Ensuite. Carte mère, c'est bon. Mémoire, c'est bon. Carte graphique cassée. 2070. Boum. Je pense qu'on est bon là. Hein. Stockage, c'est bon. Cassé. 850. Parfait. Allez, c'est parti. Hop. Ah, il veut pas le casser, hein. Merci. Bon, ça on va réinstaller après hein, pour l'autre truc. C'est long. Ok. On est bon. Lui demandait rien. Hein. Parfait. Nouvelle pièce. Ça, on s'en fout. Réparer, diagnostiquer. Ouais, bon, bah, avec 1300. Bon. Ok, lui c'est quoi? Ok, avec des virus aussi. Bah, il n'y a que ça qu'on peut faire. Demain. Intel. Ok. En recommandé. Bon, quand même vérifier histoire de. Ça. Ok. Donc, ce qui va être déjà obligatoire, c'est voilà, de mettre ça. Le boîtier. Boum. Il veut du Intel. Donc, on va lui mettre du 450. Parfait. Ici, on va partir sur du Coffee Lake, ça vous avez l'habitude. On va partir sur celui-là pour le refroidisseur, on passe en refroidisseur à air. La mémoire c'est fait. Carte graphique. Stockage 60.
Alim. Bon, on dépasse un peu, mais ça devrait le faire, j'espère. Du coup, j'oublie pas d'enlever ça. Hop. Je me concentre, hein, je me concentre. J'ai tellement l'habitude de mettre les câbles que maintenant ça me perturbe de ne plus avoir à les mettre. Ouais, 45 au-dessus. J'espère qu'il va rien dire. Croisez les doigts. Bon, ça va. Nouvelle pièce. Ok, du Be Quiet. Donc, tout ça, on a dit qu'on attendait. Plastique blanc, ça j'ai. Carte mère. C'est une MSI X390. 9. C'est celle-là. Boum. Et le disque dur, c'est un 2 TB. Boum. Pour le jour suivant. Accepté. Du coup, on peut passer la journée. Boum. Alors là, étant donné qu'on a beaucoup de diagnostics à faire, c'est vrai que ça va nous servir à beaucoup de choses, les deux ateliers, c'est qu'on va acheter tous les composants qui ont un problème directement. Comme ça sera fait. On va y arriver, on va y arriver. Nickel Michel. Alors, on va voir. Tac. Réparer. Plastique blanc. J'ai déjà commencé à le mettre, comme ça c'est bon. On veut du blanc. Voilà. Et là, bah, je vais devoir tout retirer, tout simplement. Puis c'est la carte mère à changer, donc bon, ça tombe bien. J'ai l'impression que j'avais déjà monté ce PC là. C'est possible, hein. Moi je fais tellement de PC, je vous dis que je m'en rappelle plus, hein. Faut pas me demander. Ok. Voilà. Je pense qu'on est bon. Carte mère, hop. Ok. Je pensais qu'on pouvait cliquer en même temps de. Je m'en rappelle plus. La carte graphique. C'est bon, c'est du blanc. Le stockage. Et je pense que. Je n'ai rien oublié. À part qu'on fait une petite vérification virus. Bah non, pas besoin vu qu'on change de disque dur.
Bah oui. Par contre, il va devoir réinstaller le l'OS, donc ça va être long. Ça va être long. Ok. Hop. Allez, un en moins. Yes. Cool. Toi, on s'en fout. Alors. Ensuite, bah allons-y pour toi. Ouh là 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 là. Déjà poussière, hein, ça. Youf. Juste, c'est qui? C'est Rakovic, je sais pas quoi. Rajkovic. Ok, pas de demande en particulier. Bon, déjà, on va tout clean. Alors, donc lui il pense que c'est la RAM, hein. Mais bon, moi dans le doute, ça nous fait perdre un peu de temps, mais franchement, c'est du temps pris sur des rattrapages de conneries, hein, comme on dit. Là déjà que je suis content parce que j'ai pu rattraper la connerie que j'avais fait tout à l'heure. Donc, je suis content à ce niveau-là. Franchement, ça coûte rien. Pareil, c'est pas impossible qu'on s'est déjà occupé de ce PC. Ok. Bon, carte mère, c'est bon. Là-dessus, on est bon. Processeur, c'est bon. Le refroidisseur, c'est bon. Vous allez voir que finalement ça va vraiment être la RAM. Le stockage. Hop. C'est bon. La LIM. C'est bon. La carte graphique. Elle est cassée. Donc c'est une 2070. Boum. Et la mémoire cassée aussi. C'est une Nighthawk. Elle est là. Ok. On va pas acheter pour l'instant. On va diagnostiquer le reste. L'autre PC, lui il a un budget de combien lui? 300? Bon, ça va pas être grand chose. Il est là. Pas de demande de câble non plus. Allez, on va tout enlever. Putain, vous avez vu la taille de son refroidisseur à air? Vache! C'est un monstre le truc. Ce que je devrais faire quand même pour éviter d'enlever la lime, c'est de vérifier qu'au moins il démarre, mais bon, ça nous, franchement, flemme. Je préfère tout enlever. Bah, je ferai peut-être pour la prochaine fois, je ferai. Mais c'est vrai que c'est plus rapide quand vous, ah bah cassé. Bon bah B450. Bon bah déjà, on n'aurait pas pu savoir grand-chose étant donné que la carte mère étant morte, le PC n'aurait pas démarré de toute façon. Donc, tu es où, baby? Parce que moi, à parler, je ne sais plus quelle était. Son c'est du 300, c'est celui-là. Bon, carte mère c'est mort, ça c'est bon,
Le stockage, c'est bon. C'est déjà ça. Carte graphique, c'est bon. La mémoire, c'est foutu aussi. C'est une 2666. Touc. Ok. Tac. Rien d'autre. Ok. Bon, bah là on va pouvoir tout commander du coup. Voilà, comme ça on économise. Boum. Hop. Bon, on va commencer par toi. Hop. Maman, attendez, on va le retirer. On va le retirer parce qu'il est tellement gros, j'ai peur de pas pouvoir mettre la mémoire. J'ai peur de pas pouvoir mettre la mémoire. C'est celle-là. Me semble que j'ai tout mis. Alors il y a peut-être aussi des virus hein, dans l'histoire. C'est Fartema impossible. Alors avant de démarrer, hop, je remets ça parce que sinon ça va me faire chier. Donc. Hop. Alors, hop. Effectivement, il y a des virus. Bon, ça, c'était un peu sûr. Hein. Boum. Un petit test OCCT. Pendant qu'il fait ça, on va s'occuper de toi. Alors, toi, il y avait la carte graphique. La RAM aussi. Donc là on est bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. On peut mettre ça. Et il va falloir reprendre la clé USB de l'autre côté pour gérer le reste. Tac, hop. Boum. Un petit test d'OCCT. Bon, on est plutôt bien niveau température. J'ai oublié quelque chose. Ça. Ok.
Ok, bon, on récupère notre argent et puis on sera bon. Boum. La police. Après, elle a raclé que mon ordinateur s'était prise par les sbires de la le pour prine. Ok, bref, on s'en fout. Sur ce, les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de notre aventure. Passez une agréable journée. Des bisous à tous. Ciao, ciao!